L'an dernier, nous avons vendu à Lyon 783 œuvres, ce qui représente à peu près 500 000 francs. Un demi-million de francs de chiffre d'affaires, un record que Bazar, le supermarché de l'art à petit prix, espère bien dépasser cette année. Bazar est de retour depuis ce matin à la librairie Flammarion à Lyon. Dans les bacs de Bazar, 1600 œuvres signées de 32 artistes différents. Papier, carton, tissu, tous les supports sont utilisés. Les prix vont de 395 à 995 francs, ce qui est à la portée de beaucoup. L'art contemporain m'intéresse, j'ai envie d'acheter des choses, j'ai pas beaucoup d'argent et ça me semble un lieu assez propice pour commencer, quoi. Pour sa quatrième édition, Bazar espère, comme les autres années, faire connaître de nouveaux artistes. Mais Bazar, ce n'est pas du goût de tout le monde, car aux yeux de certains, ce n'est pas de l'art, mais de la décoration. C'est vrai que ça sert à décorer un appartement. Enfin, les gens, j'imagine qu'ils doivent les encadrer et les mettre chez eux. C'est de la décoration, mais c'est pas péjoratif de dire ça. Si Bazar vous tente, c'est à la librairie Flammarion à Lyon jusqu'au 27 février.